Salut à tous, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo déballage, unboxing d'un nouveau produit dans la gamme Moulinex, le Fresh Express Nectar. Donc, comme indiqué dans le titre du produit, l'élément mis en avant est le nectar. Donc, avant, ce produit était 3 en 1 et c'était du râpé et tranché. Et donc maintenant, il y a la fonction pour faire du nectar. Donc, légumes et fruits. Et donc, nous pouvons voir que ça marche par un système de cône. Nous insérons le légume ou le fruit par le haut et ça ressort par le bas. Chaque cône a un code couleur. Donc, orange pour, par exemple, ce qui est carotte. Mais ça peut très bien être autre chose parce que, on va dire, c'est du râpé plus gros. Le tranché vert avec les concombres, les courgettes, genre de choses comme ça. Donc après, le râpé très fin, ça, par exemple le parmesan. Et ça peut être d'autres choses que vous voulez râper fin. Vous pouvez très bien râper les carottes en fin, par exemple aussi. Donc le nectar avec exemple de la tomate. Donc on retrouve le code couleur rouge, jaune, vert et orange. Donc râpe. Je rapproche, voilà. Tranche, gratte et nectar. Donc moi, eux, ce qu'ils appellent gratte, moi je vous dirais, voilà, c'est le râpé très fin et là le râpé un peu plus gros. Voilà, donc nouveau produit, comme indique la mention sur la boîte. On fait vite le tour du propriétaire rapidement. Donc, ils disent mon shot de vitamines, crudités et nectar 4 en 1 pour râper, trancher, gratter, nectar à consommer sans modération. Donc après, il y a toutes les langues. On revient ici. Donc, on peut faire de petites quantités de nectar. Voilà, purée de fruits plus eau qu'on rajoute. Et voilà, ensuite aussi du coulis. Coulis de fruits. C'est des fois très bon, les coulis de fruits rouges dans vos yaourts, dans les fromages blancs ou dans les préparations pâtissières. Donc, voilà, il faut des fruits qui soient mûrs, qui soient tendres, mûrs et juteux, pas durs. Voilà, pour pouvoir faire ça, ils préviennent. Rappelons que l'appareil fait 200 watts. Ça reste une petite puissance, donc faut pas trop lui en demander, mais c'est largement suffisant pour faire ce qu'on souhaite, là, en râpé et tranché. Et ensuite, nous avons donc un programme fraîcheur chaque jour avec la gamme Fresh Express. Donc ce qu'il faut retenir qui est important, service direct de l'assiette, dans l'assiette ou dans le verre. Voilà, vous voyez, par en haut, on insère la carotte. Ça passe par le disque et ça tombe dans votre récipient que vous avez choisi. Donc rangement facile des accessoires, c'est ce que nous allons voir. Ils restent sur la machine, ça vous évite de les mettre dans le placard ailleurs, voilà. Et nettoyage facile et rapide, ce que nous allons voir aussi, comment on insère et on enlève les produits. Donc, nous ouvrons la boîte. Avant, je vous montre rapidement la référence. Voilà, utilisez de préférence des fruits, là, comme tout à l'heure, ils disent. Voilà, donc ici, la référence. Digi 7 64 510, voilà qu'on retrouve ici. Marque Moulinex, voyez, Made in France, c'est un gage de qualité. Pensez à du branchement 220 volts, 240 volts. Voilà. Vous avez les spécifications pour rappel. En dessous, il n'y a rien. Voilà, on fait un petit tour là, là et là. L'autre côté s'écrit en anglais My Daily Shot of Vitamin Salad et Nectar. Mais c'est la même chose en anglais. Donc on ouvre. Sur le dessus se présente la base qui sert pour vous occuper de vos fruits et légumes. Éventuellement d'autres aliments aussi. Par exemple, il peut y avoir du fromage, comme vous avez cité, pour gratter le parmesan. Donc, on retrouve la fameuse base qui va se mettre dans l'appareil par le bras conducteur qui entraîne
les disques, les cônes, si vous préférez. Voilà, donc j'enlève les petits livrets. On voit qu'ils mettent en avant le nectar. On regardera après. Et voilà, il rappelle les codes couleurs des cônes. Facile, orange, carotte. Jaune pour un fromage ou autre râpage très fin. Les rondelles en tranches. Et le nectar pour rappeler le rouge de la tomate. Mais ça peut être du kiwi ou d'autres comme on avait vu sur les images. Le petit élément qui sert à appuyer, plutôt dans ce sens, c'est ça qui va venir appuyer. Vous voyez, avec les stries. Donc le système de rangement se décroche. Les cônes sont empilées. Et de base, voilà. Dans le bon sens, c'est comme ceci. Ici, il est expliqué comment on insère sur le bloc moteur cette partie transparente. Voilà, c'est difficile de vous montrer. Mais d'abord, un coup vers la droite et puis un coup vers la droite. Comme ça, on le place et on le resserre de ce côté pour qu'il s'emboîte. Si c'est le bras qui va tenir le disque, vous voyez, vous pouvez mettre un disque comme ceci. Il tient parfaitement. On l'insère, il vient se bloquer. Voilà. Je mets le disque et ça donne ceci. Voilà, ça se retire facilement, vous voyez. Sans aucun problème. Donc cette partie lock, on insère les aliments. Nous avons le cône râpé orange, râpé on va dire gros, le nectar, le parmesan, le râpé très fin. Le tranché, courgette, concombre, ce bloc de rangement qui tient l'ensemble, les éléments plastiques, on verra si ça peut servir à d'autres choses, mais voilà, tout est rangé dans un seul élément. Donc, on met de côté ça, donc je reviens le petit. Le petit stick, c'est dommage, c'est pas autocollant, mais de toute façon, il y a sûrement un rappel sur, sur le bloc moteur ou quelque chose comme ça. Il y a voir. Sur les produits Moulinex, ils font ça. Et là, donc, le nectar, ils expliquent. Vous rajoutez évidemment de l'eau. Petites explications, vous voyez, fraises, melon, tomates, kiwi. Mais vous voyez, c'est des fruits bien mûrs. Hein. C'est pas des fruits durs. Hein. Pour faire des fruits rouges, des genres de choses comme ça. Voilà. Donc, je mets ça là. Ici, nous allons pouvoir voir à l'intérieur. Donc, après, dans le berceau carton, en dessous, donc, il y a le bloc moteur et les notices. Nous avons le petit guide de démarrage. Les consignes de sécurité. Bon gros pavé, mais c'est court. C'est parce que c'est en toutes les langues. Ah, le même flyer que ça. Donc je voulais vous dire au fait que j'ai ouvert le carton avant de vous montrer que quand les cônes étaient rangés, voilà, je vous montre, quand ils étaient rangés, quand vous l'achetez, si vous les vérifiez, il y avait ça, vous connaissez, qui vient sceller, voilà, la fermeture, donc pour gagner du temps.
Voilà, je l'ai coupé. Et ensuite, quand vous l'achetez, il y a aussi deux scotch ici. Je les avais retirés. Voilà, pour la vidéo, pour aller plus vite. Mais je vous montre, j'ai gardé. Voilà, si votre produit est bien scellé en magasin, voilà, il ne doit pas être que dans le plastique. Il doit être avec le serre et les deux scotch. Voilà, des scotch de ce type-là, très fin. Voilà. Donc, il y a le même qui était dans l'entonnoir, dans l'espèce là où on insère le fruit ou les légumes. Le même, le petit flyer, mais là en version plus grande et plus détaillée. Voyez. C'est, on va dire, voilà, il y a les recettes. Et vous voyez l'autre côté tout à l'heure ce qu'on a vu avec l'eau notamment là. Il y avait quelques mêmes choses mais en plus détaillé. Voilà. Ce petit Fresh Up, le Fresh Express Nectar. Voilà, qui vous donne des produits frais. Donc la principale nouveauté de cet appareil. On se met un peu à la mode vegan, à la mode naturelle. Et derrière, en dessous, nous avons le bloc moteur. Alors, il est posé sur, vous voyez, il a une protection sur la façade. Normalement. Voilà. Ce papier, ça va. Et au fond, vous avez un. Le support où il était posé, voilà. Hop, on retient un peu le carton. Voilà, il restait les garanties internationales. Voilà pour les papiers. Si vous voulez vérifier que votre boîte est complète. Donc, nous avons le bouton. Alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas lu s'il faut. Restez appuyé sur le bouton et en même temps sur votre fruit ou légume au-dessus, ou si on allume et puis on appuie. Mais si c'est en même temps, ce n'est pas très pratique, il faut voir. C'est peut-être faisable, il faut avoir le coup de main. Donc. Voilà, vous l'insérez comme ça. Vous voyez, comme les indications l'indiquaient dessus. Voilà, et quand vous êtes là, ici, ça, vous appuyez ici. On va faire une meilleure image de comment ça se passe. Voilà, vous mettez votre conne. Et vous appuyez, ça vient écraser, par exemple, votre carotte, ça la râpe et ça sort. Et ici, vous mettez un récipient, ou directement à l'assiette de chaque personne. Voilà, un bol. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, il tient parfaitement. Et ça, vous pouvez le changer là-dessus. Et je vais en mettre un autre. Voilà, et là, vous faites votre parmesan. Et donc, on en vient après au rangement du produit. Donc, ici en dessous, vous faites attention quand voilà, le câble doit être là dans la partie simplable. Et quand vous rangez votre produit, donc on reprend les colles, vous les empilez. Et voilà, vous avez votre produit. Voilà, comme ceci. Rangé, prêt à l'emploi. Vous voyez que après aussi, on peut retirer facilement la structure.
Et que voilà, vous pouvez laver ou si vous voulez pas le laisser dessus pour ranger, vous voulez vraiment ranger ça séparé, vous pouvez, attention à l'embout plastique. Voilà, donc pour ce produit Moulinex, voilà pour donc ce Fresh Express Nectar 4 en 1. J'essaierai voilà de vous montrer un test avec une carotte. Enfin, des carottes râpées. Voilà pour ce produit Moulinex. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser des questions, à me dire si cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour de nouveaux produits. Ciao, ciao!